Salut. Je m'excuse, mais des fois, de ce temps-ci, j'ai plus ma tête. Ta tête? Ça me fait croire qu'elle est déguisée en dépression nerveuse. Puis l'Halloween, c'est ailleurs, ambitionne pas. Mais c'est pas grand bonbon à donner. Gilles, je suis là, puis je vais donner du 100 %. 100 %, c'est pas assez. Ça t'achète un ticket pour Chicoutimi. T'en souviens-tu? Pas besoin de me faire peur. J'ai dit que je donnerais tout ce que j'ai. Qu'est-ce que tu vas dire aux journalistes? J'ai passé le jour de l'an chez mon dentiste. Ta mère t'attend. Puppets, Dad! Puppets, look! Hey! Oh, can we go see? Let's go see! Giddy up! Hey, come on! Comment on appelle ça en français? Oh, des marionnettes! Bon, OK. Let's go see! Giddy up! Giddy up! OK, cowboy. On y va? OK. Oh. Prends ta clé, va te reposer. On en avoir le besoin. Hey, Pierre. Tu m'as dit ce qui s'est passé, toi? Rien. J'ai dû voir mon dentiste. Mon dentiste? Pierre, franchement. Ou bien t'as pas trop d'imagination, mais tu me prends pour un deux de pique, tu sais. Appelle les dons si tu me crois pas. Ouais, pas une aire. Si t'as rien à cacher, t'as pas de raison de te mettre en maudit. Penses-tu que tu vas payer une grosse amende? Si Gilles Guilbeault juge que je mérite une amende, je vais payer. C'est correct, là? Je voudrais prendre ma clé. J'ai failli pas venir. Je me demande déjà pourquoi je suis venu. Je vais t'aider à te remettre. Pierre, c'est-tu encore à cause de ta Lucie? Il n'y a pas de question, OK, Dominique? Il va falloir que je m'arrache le cœur pour jouer. J'ai besoin de me reposer. Pierre, je suis en train de tomber en amour avec toi. Ça te dérange pas, j'espère? Non. Oh, tu pètes! Il a mal aux dents! Oui, c'était ça, le gros mystère de Linda Hébert. Ouais, mais bouge pas, j'ai un scoop pour toi, là. Alors, Jimmy, t'es contente de ta nouvelle vie? Oui. Qu'est-ce qu'il y a qui cloche, mon grand? La télé. On peut jamais voir le National ou le Canadien. Voyons, Jimmy, you'll get used to watching other shows. Ce n'est pas le moment d'ennuyer notre invité. Jimmy a raison. Notre télévision est trop sérieuse. Un bon match de hockey par semaine, ça mettra un peu de vie par ici. Au moins, on va présenter les matchs de la Coupe du Monde à la télévision. Pour ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il y a, Jacques? Ça va pas? On s'en va nulle part. J'ai oublié de travailler avec des systèmes de hockey différents. J'ai oublié de travailler avec des Suédois, des Finlandais, des Allemands, des Tchèques. Je parle même pas leur langue. Avec deux Suisses, un Français. Come on, Dad, you'll win. You'll see. Voilà qui est bien dit. Allez, Jimmy. Bien, on va à la patinoire. Vous permettez? Bien sûr. Tu as l'air soucieux, Sergei. Quelque chose te tracasse? Boris, peut-être. Je me rappelle Moscou. Notre soirée ensemble. Tu es jaloux. Boris est agressif et malchik. Pourquoi soudainement tant d'intérêt pour lui? Tu es jaloux. Non. C'est toi qui m'inquiète. Une journée, tu ne me salues même pas dans la rue. Et le lendemain, tu te promènes à mon bras. C'est ce que tu voulais, Sergei. Tu voulais que le monde entier sache que nous nous aimons.
Je vois que tu as changé d'idée. Ne parlons plus de Boris. Il a plus de courage que toi, Boris. Personne nous a prouvé que t'es capable de scorer un but tout seul. T'es capable de montrer que t'es capable de jouer en équipe. On ferait rien de nous autres par les Russes avec vos maudits solos individuels. Compris? Go! C'est merveilleux. Tu sais qu'on est devenus de grands amis. Cette clinique, c'est impressionnant. Ils sont des dizaines comme lui à se battre pour marcher. Quel courage. Va falloir qu'on nous en passe à tout le monde, je te jure. Les nouvelles du Québec, les gars. Oui, bon. Ouais, ben, ça va mal pour nous autres, le chat. Hein? Tu vas être content. Ça prouve que t'es encore utile au National. Mais bon, mais bon. Trois défaites, c'est pas la fin du monde. What about the North Stars? hey, les gars, là. Minnesota, Philadelphie, New York, Edmonton, Montréal. On va oublier ça? Ce qui compte, là, c'est l'équipe Canada. Il y a 25 millions de Canadiens qui vous encouragent puis qui crient pour vous autres. Pis si on perd, ben il y en a 25 millions qui vont japper. Puis croyez-moi, 25 millions, ça jappe fort. Téléphonez donc vos femmes. C'est ça qui est important. Et ils vont vous dire une affaire. Attachez bien vos lacets un matin. Niaisage. C'est incroyable tout ce qui m'arrive. Un voyage d'innocence en Chine. Patrick qui va jouer pour la Coupe du Monde. Je me demande ce que De Grand Maison va penser de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Sois pas naïve, Suzy. Il y a au moins 20 autres mannequins qui ont plus d'expérience que toi. Fais attention. Je connais ce genre d'homme. Cool, élégant, paternel, mais qui ne prennent pas non comme réponse. Quoi? Mais t'es folle? Tu verras. Patricia? Tu m'appelles d'où? De Genève. C'est mon père qui m'a donné le nom de votre hôtel. Comment ça va? Oh, pas pire. Ça pourrait aller mieux. Tu m'appelles pas pour entendre mes problèmes? Ça me fait tellement de bien d'entendre l'accent de chez nous, là. Parle-moi de tes problèmes. Patricia, Genève, Fribourg, ça se fait assez vite? À peu près 2 heures. Ça te tenterait de venir partir dans 2 jours? Peut-être on pourrait se voir demain? Mm-hmm. Je pourrais m'arranger. Écoute, on cogne à la porte. Je reviens, OK? Il faut que je te laisse, là. Robert vient d'arriver. Hein. Donne-moi ton numéro de téléphone, je te rappelle, OK? Allô? Ben? Quoi? Si j'ai lu quoi? L'article de Drouin? Pourquoi? Quoi, une dissension entre Lambert et Guilbeault? Non, non, t'as pas besoin de lire le reste. Ben! Ben! Ben, non, je sais que je suis pas en vacances. Oui, je travaille sur l'article de Koulikoff.
Est-ce que je pourrais dormir maintenant, Ben? Hey, téléphone à des heures décentes. Es-tu malade? C'est mon patron. La meilleure chose qui pourrait t'arriver, c'est qu'il te mette à la porte. Eric Murdoch, j'en ai ras-le-bol des hommes comme toi qui pensent que la place d'une femme, c'est dans un lit! Sors d'ici! J'ai dit sors d'ici! Voilà dans ton assiette. Non. J'appelle Marc Gagnon, il y a des problèmes avec le National. Ton petit déjeuner, ça a bien été? Qu'est-ce que tu veux dire? T'es gentil, ton russe? Laisse tomber. Essaye pas de faire le malin, t'es pas doué. Oh, ça me flatte qu'on me courtise. Quelle femme n'aimerait pas ça? Mais tu sais, n'importe qui peut voir que je ne suis pas une femme disponible. Je vais te faire une déclaration. J'aimais mon premier mari. C'était le père de mes enfants. C'est l'homme qui m'a fait découvrir le Québec. Mais avec toi, je suis devenue une femme. Toi, mon bonhomme. Arrête. Tu vas me faire rougir. Vous aurez bien qu'il va neiger. Cash? Tu sais que t'es une drôle de fille. T'es toujours là au bon moment. Comment ça? Je veux dire que... t'arrives, puis... je sais pas. Je suis content que tu sois là. Il se passe quelque chose quand t'es là. C'est drôle parce que je me suis dit... Ah non, puis rien, là! Pierre, de quoi tu parles? J'ai jamais été nerveux avec les filles. Mais là... je te regarde. Calme, souriante. Je te cherche, Patricia. T'es mon ange gardien. Non, je veux pas être ton ange gardien. Puis je veux pas être juste une autre fille. Bon, je le sais ce que je veux, mais c'est pas facile à trouver, hein. Je le sais. J'ai mis une fille dans ma vie, puis elle m'a sacré là. Puis tu le prends pas. Je le prends. Je suis obligé. Il y a juste que... je me sens croche. Mais quand t'es là, ça va mieux. Je dirais que rien peut t'arriver. C'est tout. Mais en pas trop, Pierre. J'ai pas une bonne sœur de la miséricorde. Il y a des côtés de moi qui pourraient te faire peur, t'sais.
Sundström, vas-y. Bergman avec. Avec Lambert, je joue comme un junior. T'inquiète pas, mon grand, si je la prends, je vais le garder pour moi. Rends donc bien agressif de tomber en amour avec Murdoch. As-tu perdu la tête, toi? Ça veut pas encore? Eh ben, pour une fois, c'est pas toi qui as le scoop. Impressionnant. Je sais que c'est juste une partie d'exhibition, mais voyons, les gars. Alors, vous pensez aux journaux chez nous demain? Ça va être drôle. Si j'étais pas votre coach, moi, je rirais. Malheureusement, je le suis, il faut que je vive avec. Il y a un gars arrêté l'autre bord. Devant. S'il vous plaît. On finit ça en beauté. Let's go! Come on! Pénalité au Canada, punition de 2 minutes, le numéro 13, Pierre Lambert, pour brutalité. Je me demande comment une Lambert a pu tomber amoureuse d'un gars comme toi. Faut-tu que tu sois beau parleur? Ah oui? Non, mais sérieusement, hein? Oh! Non, sérieusement, tu sais, j'y tiens vraiment à Suzy. Vraiment. Vas-y doucement avec elle. Elle a connu des moments déchirants. Oui, je sais, elle m'a raconté. Tu l'aimes? Je crois que je l'aime vraiment, oui. Lucie. J'aurais dû la marier quand c'était le temps. Bientôt, nous ne serons plus deux. Lucie, tu veux pas dire que... Mm-hmm. Je vais avoir un bébé. Ah, Lucie, c'est pas vrai? Oui. C'est merveilleux. Merveilleux. On
va avoir un enfant? Oui! Ah, c'est merveilleux! Écoute, Linda. Je me suis excusé deux fois. Et pour un gars comme moi, c'est deux fois trop. Mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Je me pose la même question. T'es insupportable. T'es fait pour vivre seul? C'est ça? Mais je vis seul. Je travaille seul. Mais tu te vois pas aller, toi. Tu te rends pas compte que ton métier t'a complètement abruti. Abruti? Dis donc. Toute ma vie, je me suis battue. Toute ma vie. Que ce soit contre mon éditeur, contre les autres journalistes, la nouvelle qu'on veut cacher. Le délai de publication. Puis tu me traites d'abruti, moi? Que je voudrais te voir dans mes chaussures. OK. J'accepte le défi. Téléphone à ton Ben Belly. Dis-lui que... I'm ready for him. Murdoch is ready for him. Excuse-moi, faut que j'aille. Il y a trois Russes qui attendent le texte des questions que je vais poser à Koulikov. On se voit plus tard. Bonne chance avec mon patron. La chance, j'en ai pas besoin. Attention à la marche, hein? Je veux pas que tu tombes. Oh, c'était le fun aujourd'hui, hein? C'était comme magique. Ça fait juste commencer. La nuit est jeune, on est jeune. Puis là, j'ai envie de hurler, moi, là. On va aller prendre un verre ailleurs, hein? Oh non, j'ai déjà trop envie. Expert. Bien. J'ai passé une super belle soirée, mais là, je suis fatiguée puis je veux rentrer. Puis tu joues demain soir, alors on va être raisonnable, hein? Tu trouves plate, hein? Pourquoi tu dis ça? Parce que je le sais. Je sais que je suis trop sage. J'essaye de pas être comme ça, mais... J'ai toujours l'impression qu'il faut que je fasse la police. Que je m'occupe de tout le monde. Père de mon job. Je suis pas capable de faire autrement. Capable... d'avoir du fun. De me laisser aller. D'être juste bien. Patricia, je suis pas ton père ni ton chum. Je le sais. Faut que j'apprenne. Oh, j'aimerais ça que quelqu'un prenne soin de moi. Un petit peu. Je te désappointe, hein? Non! T'es honnête avec moi. Moi aussi, j'ai des choses à apprendre. Ça va mieux, là. On y va prendre un petit verre? Il est déjà assez tard. Je vais juste te reconduire à ta voiture. La soirée a été parfaite comme ça. Romantique me trompe. Dominique. Viens t'en, mon chou, on était invité au plus gros party de l'histoire de la suite. Non, il est tard, puis moi, je joue demain. C'est pas un verre qui va te faire mourir. Non,
Dominique, arrête-moi. Non, Dominique, arrête-moi. Il faut que je me couche. Il est 5 heures du matin. Arrête. Il est pas 5 heures. Il est 6 heures. Chut. Il est pas 6 heures. Bob. Bob. Dominique, il faut que tu t'en ailles, OK? Mais je vais rester avec toi. Demain. Demain, OK. Demain. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Salut, Bob. Hey, il est 6 heures, bonhomme, là. On joue en soi à notre première partie d'exhibition contre Team USA. T'en rappelles-tu? T'as dit que tu voulais boire pratique un matin, toi. Écoute, Pierre. Quand on est dans une équipe de hockey, tu le sais, quand il y en a un qui traîne, tout le monde paye pour lui. Puis là, tout le monde est tanné de payer pour toi. Entends-tu, là? Pierre. Shit. Gilles, tu manges pas? Parle-moi. Ne garde pas tout pour toi. C'est juste une partie d'exhibition ce soir. Je le sais. Mais l'équipe américaine, c'est une grosse équipe. Il fera pesant. Pierre? Lui, là. Je veux même pas que tu m'en parles. J'allais faire mon jogging un matin. Qui c'est que je vois en revenant? Pierre, pacté comme un œuf avec sa photographe. Là. Tu peux arriver à lui parler. On est dans le même hôtel, il m'a pas encore appelé une seule fois. Mais je suis sûre qu'il y tient pas, cette fille. C'est une passade, il s'étourdit. Arusia. C'est plus dur pour moi parce que c'est ton fils. N'importe quel autre joueur serait rendu d'un mineur, même avec son talent. Excuse-moi. Je te dis tout ça, là, parce qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de passe-droit de ma part. Puis ça commence ce soir et je joue pas contre les Américains. Fais ce que tu dois faire. Ne pense pas à moi. Wing, mon Dieu, ça a l'air bien faisant traîner. Un peu de nerf. Attends que t'as pas la voix, là. Je fais comment? Hey, gros, je veux le cul. Tu m'en fais, c'est forcément le même. Comment? Ouais, ben, mon Guy, je pense une histoire bien juteuse entre Guilbeault et son beau-fils. Ça m'a l'air que le beau-pierre sortirait pas mal, c'est un titre. Ça perd des Antilles, le sacré là, puis il prend mal. Pas habitué à ça, c'est beau tipit. Pas soir. Pourquoi? Ben, je l'ai dit. OK, guy! Lève-là ton entrevue manquée. Je comprends pas. Quoi? Il change d'idée à la dernière minute sans dire pourquoi? C'est ça, les Russes, mais tu sais. J'aimerais savoir pourquoi vous avez changé d'idée au sujet de l'entrevue avec Kulikov. Mais nous n'avons pas changé d'idée. Mais alors pourquoi m'avoir?
t'inquiète? Ça m'enrage, mais ça m'inquiète pas. J'ai compté 58 buts l'année dernière, il peut pas le laisser sur le banc. Tu m'en veux pas pour hier? À la guerre comme à la guerre, mais je t'attends le prochain coup. Hey, merci, elle m'a dit que je faisais l'équipe contre les Russes. Je joue à Davos. Tiens, en Suisse. T'appelles ça de la chance, toi? Jouer contre les Russes. T'es mieux d'être prêt, bonhomme, parce que tu vas trouver qu'ils passent vite. Moi, je trouve que c'est de la chance. Pour toi, c'est naturel de faire partie de ton équipe nationale. Moi, je vais être le premier Français à faire partie de l'équipe d'Europe. C'est moi qui suis tout croche. Salut, champion. Ça va? Ouais, ça pourrait aller mieux. Tu vas voir, tu vas te sentir mieux sur la glace. Oh, j'assure de voir le match. J'ai peur de t'avoir invité pour rien. Comment ça? Ah, je joue même pas, Guilbeau. Il y a mieux de tester d'autres gars. Ah oui? Ben écoute, on n'y peut rien, hein. Mettons que ça va nous donner une chance d'être ensemble plus longtemps. Écoute, il y a un dîner d'équipe. On se retrouve à l'aréna plus tard, OK? Il n'y a pas de moyen de leur parler à l'hôtel, ni à l'aréna. Nos heures d'entraînement sont trop différents. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas avoir l'occasion ce soir. Pourquoi ce soir? Les Canadiens jouent contre les États-Unis. Mais Lambert ne joue pas ce soir. Son entraîneur est mécontent. Et ça change quoi? Il va assister au match dans les estrades, comme nous. Je suis sûr que tu trouveras un moment pour lui passer un message. Merci, Sergueï. Ne me remercie pas. Peut-être qu'un jour, tu pourras me rendre le même service. Tu vas te mouiller? T'aimerais bien que trop ça. Cochon. On mange ensemble? Je peux pas ce soir. Je t'ai déjà pris. Tu la connais? Dominique, sacrément. Prêt pas faire ta petite jalouse? Ben. Si tu reviens pas trop tard, j'aurais peut-être une surprise pour toi. J'en ai une, pas trop. Suzy, je suis tellement heureux. C'est le plus beau jour de ma vie. Je pensais que c'était moi ton plus beau jour. Bien sûr que le premier jour où je t'ai rencontré, c'était le plus beau jour, mais aujourd'hui, c'est vraiment spécial. Tu te rends compte que je jouais avec Vasiliev, Koulikov, les meilleurs du monde. Et Pierre Lambert, lui? Mais non, j'oublie pas Pierre Lambert, mais c'est mon futur beau-frère. C'est pas pareil. Dis-moi, Suzy, t'as pas changé d'avis, hein? Je sais pas. C'est bien que non. Ouais. Bye. Bye. But du Canada, marqué par le numéro 23, Jim Morrison. Numéro 11. Oui, que le Canada a une chance de s'en tirer avec les honneurs. Contre les Américains, pas de problème. Non, je veux dire contre les Russes. D'après moi, les chances sont égales. Oui, mais si les Russes gagnent, est-ce que c'est pas tout le système de jeu nord-américain basé sur la violence et l'intimidation qui sera mis en question? Sérieux, toi? Faut-tu rien connaître au hockey pour dire des niaiseries de même? D'après toi, Team Canada, tu sais, c'est les Hells Angels, puis les Russes, ça serait le chanteur du Mont-Royal. Oui, non? Non, OK, jouer contre les Russes, c'est pas facile, mais c'est pas rien que parce qu'ils sont rapides. Parce qu'il faut s'adapter à leur jeu d'obstruction systématique.
Hein, tu veux parler de violence? Descends dans la chambre des joueurs après un match. On voit que les Russes y fassent autant que les autres, sinon plus, la gang d'enfants dedans. Hein? Qu'est-ce qu'il m'avait laissé jouer? Fais-toi-en pas, c'est juste une partie d'exhibition. Moi, ma place, c'est sur la glace, pas dans les gradins. Oui, je le sais. Non, tu le sais pas. C'est moi qui vais avoir les journalistes sur le dos. Quand je joue pas, c'est comme ça. But des USA, marqué par le numéro 11, Mac Templeton. Faut que j'y aille. Sur une passe du numéro 21, beaucoup. John Cabot. C'est pas grave. Boris Vassiliev, belle acquisition pour le National, ça, hein? Ouais. Pas peur que les Russes sortirent de la Coupe du Monde si un de leurs joueurs passe à l'Ouest? Conseil d'attendre. Ce serait peut-être mieux d'attendre qu'ils se rendent en finale. Alors, comme ils ont des grosses chances, ça me surprendrait qu'ils débarquent à la dernière minute. Ouais. Je vais attendre d'être arrivé à Paris. De cette façon-là, je pourrais parler à l'ambassadeur. Mon équipe, as-tu des joueurs? Devant? Ils sont finalement tout arrivés. Avec les Russes en trois jours, je ne me fais pas d'illusions. Hmm. Les Américains sont plus toughs que tu pensais, hein? Ouais. Ouais. Qui va gagner? Comme ça, ton dentiste fait de l'urgence en prison maintenant? C'est pas fini, cette histoire-là? Est-ce que c'est pour ça que Guilbeault te fait pas jouer ou si c'est parce que tu rentres très, très tard le matin? Je suis plus capable de faire un pas maintenant. Je commence à avoir mon voyage, moi. Non, Linda. Tout va normal. Si j'ai pas joué hier, c'est parce que Gilles Guilbeault voulait essayer d'autres gars. OK? Oh, mais je le comprends. Tu joues comme un pied, Lambert. Viens pas me dire que tout va normal. Tu veux vraiment savoir? Oui, j'ai des problèmes personnels. Oui, je me sens tout croche. Puis après, qu'est-ce que tu vas écrire? Que Lucie Baptiste m'a plaqué? Que je ferais n'importe quoi pour qu'elle soit encore avec moi? Que je m'en sac du hockey? Écris-le pour que tout le monde le sache, je m'en sac! Tu vas être content, tu vas avoir fait ta job, puis moi, je vais être dans la merde. Ouais, vas-y! Ça va mal à la chape. Hey, je viens de recevoir le matin. Il dit que Koulikov s'est fait aller le manche-patate. Écoute ça. Il dit que c'est grâce à son pays qu'il est devenu un si grand joueur de hockey. Il entend jouer pour la grandeur du socialisme soviétique. Évidemment, il est parfaitement heureux en URSS. Et notre ami Murdoch termine sans beau temps déclarant que ces pauvres joueurs sont les pions du système et seront une monnaie d'échange dans une guerre qui dure depuis la nuit des temps. Un vrai poète. Hmm? Drouin. Écrase, OK? Non. Un autre fait. D'abord!
ton homme pour venir au bain. Ça aurait pu nous coûter un but. Si t'es pas hâte de suivre, dis-le tout de suite. Devant, il l'a pas du tout. Fera même pas à la Ligue américaine. En tout cas, pas ce soir. Arrivée, tu es contente? 6 semaines en Chine. Tu vas devenir la star de chez grand-mère. Tu vas faire des jalouses. C'est comme un rêve. Ce qui va être le rêve, c'est ton mariage. Ton mariage? Oui, j'allais vous le dire. Je me marie la veille de mon départ. Et Patrick vient en Chine avec moi. Ah, tu aurais dû me prévenir. Ah, pourquoi? Ça change quelque chose? Non, pas exactement. Ah, bon. À condition que ta disponibilité reste la même. C'est incroyable. J'allais dans le coin, Malarkov est arrivé. J'ai juste eu le temps de le voir arriver. Bang! Je suis arrivé dans les bras d'une infirmière. Ouais, pourtant, le coup, il t'a pas si dur. Ouais. Tu téléphonais à Suzy? Non, pas encore. J'attends les résultats des tests. Quel test? Bah, j'en sais rien, dans les hôpitaux, on fait passer tout le temps des tests. C'est tout. Bon, c'était pas plus malade qu'à ça, je vois. As-tu besoin de quelque chose? Ah oui, s'il te plaît, amène-moi des fleurs. Oh, oui, des fleurs. Je vais aller t'en acheter dessus, des fleurs. Ah, oui. Hé, Pierre. Jean. Je suis venu voir Patrick. C'est quasiment mon beau-frère. Ah, il a l'air bien. C'est pas grave, son affaire. J'aurais aimé vous parler seul. Écoutez, docteur, vous pouvez parler, Pierre est un ami presque intime de Patrick. Mais c'est vraiment important. Ah, qu'est-ce qu'il y a, sacrément? Toujours bien pas le cancer? Nous n'avons pas encore tous les résultats. Il reste encore quelques examens à faire, mais Patrick Devon est sérieusement malade. Il est possible, malheureusement probable, qu'il s'agisse d'une leucémie. Leucémie? La leucémie, c'est... Oui. Le cancer du sang. Et le malade a déjà trop attendu. Sa carrière... finie? Si ce n'était que ça. Si les tests sont positifs, c'est pour sa vie qu'il se battra.